Aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va se projeter sur la prochaine saison de l'AS Roma. La Rome fait un mercato super intéressant et je pense que c'est vraiment un super projet à faire sur le prochain FC25 avec des recrues ultra cool. On a d'abord vraiment l'arrivée de Dovbik qui est la dernière hein, en provenance de Giron après une très très belle saison du côté eh bien, de l'Espagne. On a Mathias Zoulet qui a été officialisé la semaine dernière pour un petit peu plus que 30 millions. Très très belle pioche pour un joueur qui a vraiment été super bon la saison dernière avec Frosinone. Un petit peu plus tôt, il y a eu un petit français, hein, Enzo Lefebvre, qui a rejoint la Roma pour un petit peu moins de 20 millions. Très très belle recrue pourtant pour un joueur qui n'a pas été incroyable la saison dernière. Et pour terminer, il était déjà prêté l'année dernière avec une option d'achat, mais cette dernière a été levée. André Ligno a rejoint la Roma définitivement pour 5,7 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette Roma, si on l'observe sous cet angle de tactique, eh bien ça donne cette tactique-là qui pourrait être ultra intéressante pour la Roma avec du compte Dovbik titulaire, Mathias Zoulet qui prendra le couloir à droite. J'ai mis Dybala à gauche parce que clairement, c'est un des meilleurs éléments et je voulais utiliser Baldanzi. J'aurais très bien pu aussi croiser les deux, c'est très possible aussi. Baldanzi plus sur le côté, Dybala plus en soutien de l'attaquant et après ben Enzo Lefebvre à côté de Pellegrini et en derrière on a donc le petit André Ligno. Ça fait du coup quelques joueurs assez intéressants qu'on rejoint l'équipe. On va vivre une saison avec l'équipe de De Rossi. L'objectif pour nous ça va être de performer un maximum. En plus de ça, la Roma, je sais pas si vous le savez, mais sera de retour sur FC25 avec son logo. Ce sera l'occasion vraiment de faire une très très belle carrière manager avec le club de la capitale italienne. Et en plus de ça, Daniele De Rossi a réussi à les qualifier à nouveau pour l'Europa League alors que c'était très très mal embarqué durant la saison dernière avant le licenciement de José Mourinho. Le coach romain a réussi de très très belles performances et vous pourrez compter encore sur une participation en Coupe d'Europe de la Louve pour la saison prochaine. Encore une fois, j'adore se faire ce genre de vidéo parce qu'on analyse un petit peu et ça me permet de parler mercato un petit peu avec vous. Donnez-moi votre avis dans les commentaires aussi sur ce format-là, je le trouvais plus sympa, plus dynamique. On ne perd pas plus de temps, on se retrouve tout de suite pour analyser la saison de la Roma. Saison ultra ultra importante avec de très très belles nouvelles recrues. Bon les gars, on arrive à la fin de la saison avec la Roma de Daniele De Rossi. On va voir ce qui s'est passé. Franchement, sur l'ensemble, belle équipe. Il y a vraiment aussi des postes qu'il va falloir revoir pour la Roma dans les prochaines saisons. Clairement, ça, je me le cache pas. Clairement, pour moi, quand je vois Rui Patricio, par exemple, qui voilà, est toujours en titulaire, je sais qu'il y a Svilar qui est très intéressant, mais il y a besoin d'un renouveau clairement dans cet effectif. Mais au-delà de ça, je suis persuadé que cette équipe de la Roma peut faire une très très belle saison. Et surtout avec ces nouvelles recrues, vous voyez, Enzo Lefebvre progresse quand même pas mal. Hein. Enzo Lefebvre est un petit peu surpris. J'ai dû quand même mettre certaines grosses individualités sur le banc, tel un Cristante. Mais lui, voilà, il a pris sa chance. Il prend un plus 4 sur la saison. Très très belle. On verra après ses statistiques, bien sûr, en détail. André Ligno a été très bon comme sa première année. Malheureusement, on n'aura pas d'off-beak pour le test de l'équipe, étant donné qu'il était suspendu. Et que Mathias Zoulet revient de blessure, normalement devrait être disponible, mais a eu une longue convalescence de plus de 2 mois, malheureusement. Mais cela dit, j'ai quand même beaucoup utilisé l'équipe tout au long de la saison. Quand je dis avoir beaucoup utilisé l'équipe, c'est bien sûr que j'ai joué un maximum avec les nouvelles recrues, notamment André Ligno, auquel a l'Espagnol 4 buts, une passe décisive. Vous pouvez s'attendre peut-être à un inverse, un peu plus de passe D, mais vraiment très correct. Et je trouve que André Ligno, ça me fait plaisir de le voir se relancer, parce que autant quand il a commencé, quand il était très très jeune, on se disait lui c'est vraiment un monstre, il peut être très intéressant. C'est vrai qu'il s'est un petit peu perdu, il avait été dans le deal là, entre Raum, avec l'arrivée de Raum à Leipzig, lui qui partait à Hoffenheim. Voilà, faut reconnaître que s'il a trouvé un point de sortie du côté de la Roma, on lui souhaite de réussir parce que c'est quand même un très très joli profil. Un mot bien sûr sur Enzo Lefebvre, hein, lui qui n'a pas réussi à s'imposer du côté du Stade Rennais. Il a l'opportunité de venir à la Roma, super opportunité pour lui à 24 ans, plus 4. Lui, sur cette saison-là, il nous met 4 buts et 13 passes D. C'est très très correct, franchement, des résultats plutôt corrects, plutôt très bons même. Et je trouve très encourageant pour la suite. Il m'a toujours été très sympathique, ce joueur. J'ai toujours apprécié le suivre, même quand il était à Lorient, je le trouvais excellent. Mais là, du coup, bah, vraiment, sa saison, elle est vraiment très réussie et je suis content pour lui. Si on s'attarde aussi un tout petit peu sur Baldanzi, qui est quand même un joueur recruté pour l'avenir, hein, en provenance d'Empoli, 4 buts, 3 passes D, c'est pas mauvais, je l'ai pas non plus utilisé dans le meilleur des registres, hein. C'est vrai que lui, si tu le mets en soutien de l'attaque, c'est là où il est le plus intéressant. Un joueur qui a été très très bon sur cette saison et qui a vraiment aussi fait de belles stats, hein, c'est dans la continuité de sa première année et malgré sa blessure,
C'est monsieur Mathias Zoulet, 7 buts, une passe D, c'est, je trouve, très très correct, très très bon pour l'Argentin de seulement 21 ans. Il aurait pu être encore plus fort s'il avait été épargné par les blessures, je sais pas si on pourrait l'utiliser dans le match de gameplay, en tout cas j'espère de ne pas me passer de ses services. Et donc pour terminer, celui qu'on n'utilisera pas de toute façon parce que suspendu, Arten Dovbik, un peu la révélation hein, du côté de l'Espagne et de Girona la saison dernière. Je sais qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient sur lui, notamment la Roma. Je crois qu'il y avait aussi peut-être des clubs tels que l'Atlético de Madrid hein, qui était en pole position aussi pour le recruter. Mais finalement, c'est du côté du club de la capitale italienne qui va aller jouer la saison prochaine. 24 buts, 5 passes D, c'est très correct. C'est vraiment le nouvel attaquant. Je sais que Tammy Abraham, lui, est en partance pour Milan. Donc voilà, ça serait assez logique de les voir s'échanger. Bellotti, lui, est parti à Côme, donc voilà, de manière générale, Dovbik, il a le champ libre hein, pour s'imposer à la tête de l'attaque romaine, et on lui souhaite que ça, parce que vraiment, c'est un super profil. À noter également que Paulo Dybala, bah voilà, nous fait une saison à 22 buts, 15 buts, 15 passes D, voilà, c'est un génie, et moi, j'adore toujours autant ce joueur, ça va être un amour que j'ai pour Paulo Dybala. Au niveau des performances, en Coupe d'Italie, on est sorti en quart de finale contre l'Inter, défaite 4 buts à 1 face à un des gros hein, de la Serie A, pas déconnant non plus, ils ont un effectif bien plus fourni que nous, simplement. Et du côté de la Serie A, je trouve que c'est très positif, on termine avec une potentielle 4ème place, si on assure notre dernier match contre Empoli, il faut vraiment le gagner, on peut même finir tout à coup devant le Napoli ou même l'Inter, si les deux perdent et que nous on fait des résultats positifs, ce serait complètement fou. Avec cette 4ème place, tu te qualifies pour la Champions, tu termines devant Milan, devant l'Atalanta Bergame, devant la Lazio, donc tu termines devant de gros concurrents directs, ça c'est très très positif, et franchement ben, l'évolution elle est là. Que la Rome va finir tout de suite devant les mastodons italiens, j'estime qu'il y a encore un petit fossé qui les sépare à eux, mais avec un mercato tel que le leur de cet été, il y a moyen d'espérer faire de beaux résultats quand même la saison prochaine. Et concernant l'Europa League, maintenant on a terminé logiquement devant le Slavia Prague, devant l'Ibic et devant le Servette, donc on se qualifie pour le 8ème de finale, on passe facilement 4-1 contre l'Union Saint-Gilloise. J'ai pas grand chose à dire, j'étais tranquille, serein. Franchement, pépère. Hein. L'Union Saint-Gilloise, ça passe à la trappe. Nous, par contre, on se fait surprendre. Bah, et voilà. C'est ce match contre Séville, défaite 5-1. Et donc, élimination de la Roma, malheureusement, qui ne va pas remporter l'Europa League. C'est l'heure pour nous donc de tester cette équipe, de voir ce que ça vaut réellement in-game. Encore une fois, si vous aimez ce concept, je vous invite à liker, commenter, partager et à me dire dans les commentaires quel club vous voulez que l'on fasse la prochaine fois. C'est parti pour le match de gameplay contre Empoli pour la Roma. Un petit mot sur cette Roma, bien sûr, et son marché des transferts. Moi, j'ai trouvé assez intéressant d'analyser sur un autre aspect, le mercato du club de la capitale romaine et italienne. Parce que au-delà de ça, alors, si tu analyses le truc, Enzo le fait 18 millions, ça peut paraître être bien payé, mais après, tu vas aussi payer un joueur qui vient d'arriver dans un club. Hein. Il n'a fait qu'une seule saison à Rennes, qui n'a pas été satisfaisante. Et dans la foulée, là, cette possibilité de signer à la Rome. J'ai vu un interview de lui qui disait être même lui surpris de cette possibilité, mais au-delà de ça, il n'a pas réussi à Rennes. Là, il arrive dans un autre championnat, ça peut clairement fonctionner. Ce but est magnifique, 1-0 par le remplaçant de Dovbik, Tammy Abraham, qui inscrit là le premier but. Justement, cette Roma, elle a beaucoup dépensé, comme on l'a dit. Elle a dépensé notamment avec des profils bien différents. Hein. On l'a vu, hein, Mathias Zoulet, moi-même, en tant que fan de la Juve, j'aurais largement préféré qu'il reste chez nous. Voilà, la direction, on a vu une opportunité, elle avait besoin d'argent. D'ailleurs, ça va nous permettre de pouvoir réinvestir cet argent sur un autre profil, Jean-Claire Todibo ou même Cop Miners, par exemple. Mais du coup, avec l'arrivée de monsieur Zoulet à la Rome, je trouve que ça dynamise bien l'attaque. Il y a vraiment un profil ultra intéressant, une des révélations la saison dernière en Serie A. Et je trouve que la Roma est très fort pour les attirer. On peut parler de Baldanzi qui est arrivé en provenance d'Empoli, qui était vraiment la grosse révélation. Bah, franchement, super profil, super joueur. Et le gars bah, termine clairement dans un très beau club après une belle saison du côté de Frosinone. Et voilà, je suis très content pour lui. Il y a une trentaine de millions dépensés sur ce transfert-là avec bonus. Un profil parfait pour... dommage, la tentative de Mathias Zoulet. Un profil parfait pour la Serie A qui connaît le milieu dans lequel il va arriver. Et on peut que lui souhaiter le meilleur à Mathias Zoulet, même si j'aurais adoré le voir à la Juve. À savoir que la Juve, je crois, a une option d'achat entre 30 à 40 millions d'ici 2 ou 3 ans, suivant l'évolution de Mathias Zoulet à la Roma, avec une clause qu'on peut activer pour le racheter. Assez malin quand même de notre part, parce que ça peut clairement être intéressant dans les années à venir. Je pense que c'est d'ailleurs un joueur qui a toujours été
intéressé par le fait de jouer pour la vieille dame. Il le disait lui-même, malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Ensuite, le cas André Ligno, moi je suis assez content, parce que c'est vrai que c'est un joueur que je trouvais très intéressant la saison dernière. Beaucoup de qualité, d'assurance retrouvée en une demi-saison dans un championnat pourtant qui est réputé pour sa défense, là où lui jouait en Allemagne où t'es plus sur des latéraux très offensifs. J'ai vraiment trouvé pas mal et quand tu vois la valeur du transfert, je me dis que la Rome a vraiment réussi à faire un bon coup. On parle de 5,7 millions l'arrivée pour en provenance de Hoffenheim. Franchement, je trouve que c'est une valeur qui est vraiment très faible au vu du joueur que c'est et que ça a été surtout. Alors encore une fois, hein, il peut surfer sur une vague d'une réputation, un passé, notamment celui quand il est arrivé à Leipzig où il était vraiment incroyable, vraiment un super joueur. Là, peut-être qu'il surfe un peu sur cette vague, mais je trouve que c'est quand même un super joueur et que ben, voilà, sa valeur marchande elle a bien baissé. Et ça, le fait de le récupérer à ce prix-là, quand tu connais aussi la situation des latéraux à la Rome, c'est plutôt une franche réussite et le club romain peut en être fier. Pour terminer, le cas d'Ovbik, c'est clairement une des révélations la saison dernière. C'est un des meilleurs buteurs de Liga sur la saison dernière. C'est un des grands artisans de la réussite de Riron. On aurait pu le voir du côté de City parce que Riron appartenant au City Group, il y avait bien sûr une possible liaison. Maintenant, pour ma part, je ne vois pas l'intérêt pour lui d'aller à City et de passer ce pas. Quand tu vois Julian Alvarez à Londres, ça ne me surprend pas de le voir partir. Certains se disaient il va finir à City. Moi, pour ma part, j'ai toujours dit que ce gars-là, c'était soit il allait remplaçant dans un top club tel que le Real de Madrid qui cherchait après une doublure à M. Mbappé. Je sais qu'ils ont fait avec Rossellou cette année. Là, c'était un peu bancal. Ça ne leur a pas empêché de remporter la Champions. Mais moi, pour ma part, j'aurais clairement vu un Dovbik dans ce rôle-là. Il aurait pu aussi choisir l'Atletico. Non, finalement, c'est la capitale romaine. Et ça se comprend parce que Tammy Abraham est sur le départ du côté du Milan, selon les dernières infos. Et finalement, tu te rends compte que ça dépense pas mal d'argent. Hein. Les Américains, à la Rome, ils ont lâché du budget. Quelle parade du portier magnifique. Ils ont lâché du budget pour leur permettre d'être performants la saison prochaine. Et ça, tout le mérite leur revient. En espérant maintenant qu'ils seront capables, bien sûr, de parvenir à aller en Coupe d'Europe, performer sur diverses compétitions telles que la Serie A. Je pense que la Rome peut avoir des ambitions de terminer top 4 et de se qualifier pour la Champions, malgré les bons mercato d'une équipe comme la Juve. Comme l'Inter qui réalise un mercato plutôt discret mais qui a vraiment une très très belle équipe déjà, ou alors le Milan qui continue de se renforcer avec de belles individualités, notamment leur peut-être ancien attaquant Monsieur Tammy Abraham. Voilà pour ce qui est de mon analyse de la Roma, de ce mercato. Je pense que c'est pas terminé, ça me surprendrait pas de voir arriver encore un défenseur central, peut-être de voir l'arrivée encore de latéraux, mais de manière générale cette Roma elle est belle, elle est intéressante, elle a de la qualité. Et pour moi, les voir jouer en 4-3-3 serait plus que cohérent au vu de la qualité des joueurs. Tu pourrais aussi partir sur un 3-4-3 avec un Baldanzi Dybala en soutien de Dovbik. Ça pourrait être assez impressionnant quand tu mets ça sur papier. Avec le but de Mathias Zoulé qui revient de sa blessure. En tant que buteur, ça fait plaisir. En tout cas, franchement, la Rome, beau projet à faire sur FC25. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Le retour, en plus de ça, du stade, peut-être. Ça, on ne sait pas encore sûr. On sait que la Roma, en tout cas, aura à nouveau son logo, ses maillots. Et ça fait quand même plaisir pour un club important du calcio. Malheureusement, on perd le Milan et l'Inter, mais on récupère la Louve de Rome. Oh là 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 là, quel but exceptionnel, la prise de risque de Pellegrini qui finit dedans, 3-0, ce genre de but, on ne s'en lasse pas. Quelle frappe de la part du capitaine romain, la remise de Smalling et la tentative lointaine, pourtant la frappe est exceptionnelle, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, mais la tentative lointaine, l'audace, et regardez cette balle flottante qui redescend, elle n'est même pas pleine lucarne, elle est juste sous la barre, ça fait 3-0 dans ce match. Il défend en reculant, c'est exceptionnel. Le Fay qui récupère ce ballon, qui peut peut-être se projeter. Enzo Le Fay, la balle par-dessus la défense. Il y aurait une possibilité pour le Français de marquer son petit but peut-être. La balle en louche, elle passe juste au-dessus. Et cette balle qui ne rentre pas, je crois qu'on restera là-dessus sur la tentative de Enzo Le Fay qui a tout tenté pour, euh,
marquer son but, mais qui n'y parviendra pas. En tout cas, on a fait une très très belle saison avec la Roma et j'ai apprécié analyser cette équipe, surtout en se projetant sur FC 24. Franchement, je vous assure, c'est un projet que vous devez faire. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment un des projets qui m'a hype le plus du côté de la Serie A. Bien sûr, il y a ma Juve, mais cette dernière en est un autre cas qu'on a déjà analysé. D'ailleurs, je vous invite bien sûr à aller regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Encore une fois, je vous remercie. Je vous invite bien sûr à liker, commenter, partager, me dire quel club vous voulez. Je pense qu'on va faire Dortmund très prochainement. Hein. Encore un gros mercato de la part du BVB. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire du côté de l'équipe de Nuri Sahin. Donc voilà, encore une fois, plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. C'était Micro. Ciao, ciao.